Coucou à tous, on se retrouve donc pour un nouveau vlog et pour une fois je commence ce vlog dans ma chambre. J'essaye d'innover au niveau de mes intros à chaque fois, de commencer dans un lieu différent. Le dernier c'était sur un bateau, aujourd'hui c'est dans ma chambre. Donc aujourd'hui on va à New York comme d'habitude. On va passer une journée plus trop tranquille par rapport à d'habitude quand je filme. On va aller se poser à Central Park parce qu'en fait à New York quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est pas trop supportable de se promener avec les buildings, le goudron, la pollution, donc voilà, on va aller à Central Park se poser, on va faire nos New Yorkaises. Je profite en fait de cette intro de vlog pour vous parler un petit peu des vlogs de cet été, comment ça va se passer, parce qu'il y a de grandes chances que j'aille un petit peu moins à New York, parce que comme je viens d'expliquer, l'été à New York, apparemment c'est pas trop supportable, donc je pense qu'on ira plus à la plage, sachant qu'on habite à 15 minutes, donc autant en profiter. Donc au mois de juillet, je pense que, je sais pas s'il y aura un vlog par semaine comme avant, en tout cas il y aura au moins deux vlogs je pense dans le mois. Après, est-ce qu'il y aura un vlog par semaine? À voir. Par contre pour le mois d'août, à partir du 3 août, je vais filmer tous les jours pendant 3 semaines. Pour deux raisons. La première c'est que ma soeur arrive et reste 3 semaines aux États-Unis. Et la deuxième c'est que forcément, si elle vient 3 semaines aux États-Unis, on va pas rester à New York, on va voyager. Donc du coup, bah, je vais vous filmer nos voyages. Voilà, je vous emmène avec nous pour que vous puissiez en même temps découvrir les États-Unis. Donc en même temps, pour moi, ça va être un challenge parce que je vais devoir filmer, monter dans la journée. Au pire, il y aura peut-être un ou deux jours d'écart, mais vraiment pas grand-chose. Parce que je sais pas si j'aurai assez de mémoire sur ça et sur mon ordinateur. Donc ça va être un challenge en plus d'être en voyage, de gérer les vlogs. Mais voilà, c'est un challenge que j'accepte avec joie et que je m'impose. Donc voilà, ça va. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous parler en fait de l'organisation des vlogs l'été. Parce que je sais que les personnes qui font des vlogs, généralement, elles mettent leur chaîne YouTube en stand-by durant l'été. Moi pas du tout, parce que justement c'est là où je vais voyager. C'est là où ça va être le plus intéressant. Donc voilà. Mois de juillet, ça risque d'être un peu tranquille. Mais le mois d'août, ça va être trop bien. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer voyager avec nous. Donc il y aura ma soeur et il y aura Charline qui va nous rejoindre quand on sera dans une autre destination. Je ne vous dis pas encore où, puisque j'aimerais bien vous garder la surprise pour que vous découvriez. J'ai du mal avec les Français. Pour que vous découvriez quand vous allez regarder les vlogs. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je ne sais pas où, parce que je ne sais pas quand c'est que je vais reprendre ma caméra. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing that'll be entire. Maybe it'll be it might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, electronic setups, singing or speaking using machines. On a trouvé un petit coin où se poser à Central Park avec une vue on va dire plutôt pas mal. Donc là on a pris notre petit pique-nique et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons donc de la viande, je crois que j'ai pris du jambon de pays avec je sais plus. Là j'ai du brie avec du parmesan. Là j'adore l'idée. Des légumes, donc on a des tomates, des petites carottes et du céleri. Et là j'ai de la baguette. Regardez tout ce que j'ai comme baguette. C'est fou, bon je partage avec Charline. Voilà, et donc si ça intéresse quelqu'un, c'est The Basket.
T'es allongé dans l'herbe. Voilà, après ça fait des marques. C'est super moche. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing that'll be entire. Maybe it'll be, it might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, electronic setups, singing or speaking and using machines. Et là, avec le Williamsburg Bridge, je dis des conneries là? Non, peut-être? C'est le Manhattan Bridge? Ça? Bon, ben voilà, je dis des conneries, hein. Comme d'habitude. Oups! Voilà. Donc on est venu ici parce qu'en fait il y a pas mal de photos qui ont été prises ici parce qu'en fait l'arc du pont se retrouve entre les deux buildings, du coup c'est très très joli. Voilà, donc je ne sais plus si c'est le Manhattan Bridge ou le Williamsburg Bridge. J'ai un trou là, j'avoue. Manhattan. Bon, j'ai rien dit Manhattan. Et on est en plein milieu de la route.
s'est arrêté, je sais même pas comment il s'appelle le parc, il y a Yo écrit derrière, et donc c'est le Manhattan Bridge. Après vérification, nous avons regardé, nous avons un petit trou. Donc on est calé là sur un banc, tranquille, et en face de moi, donc j'ai le Brooklyn Bridge, et on va assister à un coucher de soleil tranquille, en plus il n'y a pas trop de nuages, donc parfait. Il est 10h, ça fait 10 minutes que je viens d'arriver chez moi, donc je me suis vite dépêchée à me démaquiller. Là je suis devant la télé, ça se voit qu'il est 10h parce que le film sur HBO vient juste de commencer. Donc là la fin de journée a été un peu précipitée parce qu'en fait on est arrivé à la gare à moins 10, à 8h, 9h moins 10 et le train était à 55. Donc du coup on n'a pas eu le temps de s'acheter à manger parce que généralement ce qu'on fait dimanche soir, pour pas que ça nous coûte trop de thunes, on s'achète un truc à la gare vite fait. Sauf que là, bah, du coup, pas eu le temps. Ce qui fait que mon repas de ce soir, ça va être des Frosties. Voilà. Donc, bon, ça va. Donc là, du coup, je suis arrivée il y a 10 minutes, je me suis démaquillée, je suis déjà dans mon lit, en pyjama. Voilà. Oui, je dors avec un grand t-shirt, je ne m'embête pas. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo qui change un petit peu d'habitude. Les timelapses aussi que j'ai fait avec mon gorille de la pod. J'en ai pas fait dans les dernières vidéos parce que ben, j'ai tout le temps oublié ceci. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué parce que les timelapses quand ça bouge, ben, c'est moche. Je trouve que c'est moche. J'aime bien quand c'est stable et grâce à ça, c'est grave stable. Et du coup, ça rend mieux je trouve. Et en fait, le truc, c'est que les derniers temps, je l'ai oublié parce que mine de rien, ce truc, ça prend énormément de place dans un sac à main. Et ça pèse un peu quand même. Donc du coup, à chaque fois, je l'oubliais. Sauf que là, je n'ai pas oublié. Donc du coup, j'espère que les timelapses vous ont plu. Je pense que de toute façon, je vais en faire de plus en plus. Le prochain vlog, je ne sais pas du tout quand il sera. Donc on verra. Je ne sais pas si le week-end prochain, je vais à New York. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu, c'est le plus important. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et que dire de plus, ah oui, bonne chance aussi à ceux qui ont passé des examens parce que je sais que c'est la période et qu'il y en a pas mal entre le bac, le brevet, les partiels, même si les partiels normalement sont au mois de mai. Voilà, donc je vous souhaite good luck comme on dit ici et bonne semaine à tous et à bientôt dans un nouveau vlog. Bye.